interpellé s'est écroulé d'épuisement jeudi et a été hospitalisé dans la foulée au Brésil, a annoncé vendredi l'Association britannique des journalistes de football, FWA. La légende vivante du football, âgée de 77 ans, avait été invitée par FWA à participer dimanche à un dîner à Londres. Heureusement, rien ne laisse entendre quelque chose de plus grave qu'une fatigue extrême et toute la FWA souhaite appeler un prompt rétablissement, a déclaré l'association dans son communiqué. La santé déclinante de l'ex-attaquant international de Santos est régulièrement un sujet d'inquiétude de ces dernières années. Diminué par de fortes douleurs à la hanche, Edson Arantes Nascimento, dit Pelé, était encore apparu en fauteuil roulant en décembre lors du tirage au sort du Mondial 2018. Pelé s'était aussi montré incapable d'allumer la torche olympique à Rio lors des Jeux 2016. À lire aussi, Pelé, le Brésil est favori pour le Mondial Football, le Brésil en deuil à l'Égyptien Mohamed Salah élu footballeur africain BBC de l'année 2017 en novembre 2014, le Brésilien avait été placé en soins intensifs après une infection urinaire sérieuse nécessitant son placement sous dialyse. Pelé est le seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde, 1958, 1962 et 1970.